Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle. Nous commençons avec un grand titre. Ministre de l'Éducation, Justin Valentin, il participe dans une rencontre virtuelle UNESCO qui fait pour un pays capable de partager l'expérience dans le domaine de l'éducation face à COVID-19. La Banque centrale et la Commission anticorruption formalisent l'intention pour coopérer à travers un memorandum. Ministre des Affaires étrangères et Tourisme, ils joignent avec l'association Business Le Pralin pour qu'on puisse conseiller qui bon business le Sazil y rencontrer. Nous passons au bon détail. Ministre de l'Éducation Justin Valentin, ensemble avec les autres ministres de l'Éducation dans plusieurs des autres pays, il participe dans une rencontre virtuelle organisée par l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO. Une rencontre avec qui prend compte bon leçon qu'ils ont apprendre. Bon plus grand risque que l'éducation peut faire face avec aujourd'hui et bonne stratégie qu'ils ont besoin d'adopter pour qu'il n'y ait pas aucun démon qui gagne qui derrière. Sa rencontre qu'il fait aujourd'hui après-midi, assistée par le ministre de l'Éducation, Dr. Justin Valentin, secrétaire principal pour l'éducation tertiaire et développement ressources humaines, Dr. Linda Barallon, et secrétaire générale, Commission nationale pour UNESCO Cécile, Mme Vicky Gendron-Michel. Sa rencontre est en lien avec mission UNESCO pour faciliter le dialogue, pour faire bonne politique et partager connaissances. C'est bon ministre de l'Éducation, représentant au niveau bon partenaire de coalition globale pour l'éducation et bon l'agence affiliée avec l'éducation qui participe dans sa rencontre. C'était l'année passée que UNESCO a fait son premier rencontre ministérielle pour encourager les sens pratiques face avec situation sans précédence que COVID-19 a amené. Sa rencontre aujourd'hui est une plateforme pour vous apprendre ensemble qui moyen pour reprendre l'éducation par bonne connaissance et l'expérience qui bon pays in passe là-dedans en ce qui concerne l'éducation face à sa situation que COVID-19 in amené. Secrétaire général, la Commission nationale pour UNESCO Cécile, Mme Vicky Gendron-Michel, indique qu'en ce moment, UNESCO est concerné avec 3 points qui l'ont agenda global. Il y en a réouverture l'école, premier, il y en a deuxième, learning loss, et troisième, digital transformation, transformation au niveau numérique, quand l'éducation est gagnée à travers la technologie. Et ça, c'était tout ça, mon ministre, il rencontrait les autres chefs, les autres policiers, les autres politiques, et les autres repriorisent l'éducation. Sa 3 points d'oiseau de l'UNESCO pour sa rencontre, il fait dans 3 sessions différentes, qu'il fait en même temps, qu'il concentre sur sa bonne topic, qu'il sortit comment un point concerne dans tout bon pays. Ministre de l'Éducation, Dr. Justin Valentin, il fait l'intervention 2 minutes dans la session de transformation numérique et l'avenir de l'éducation. Pour poser un petit peu, comment les teachers assurent que l'éducation continue à travers la technologie? Et nous avons beaucoup de bon teachers inactifs à travers WhatsApp, à travers Google Classroom, nous avons qui bon enseignants in engage through technology pour assurer que l'éducation continue. Et ministre pour focus sur la parole. En ce qui concerne la réouverture l'école Cécile, même si encore il y en a beaucoup de cas COVID-19 qui est recordé tous les jours, Mme Gendron-Michel dit que UNESCO n'a pas encore prononcé l'école ou là. UNESCO n'a pas encore pris position au niveau Cécile. Seulement, nous avons mis l'emphase pour assurer que l'éducation continue. As long que nous pouvons observer bonne restriction, bonne régulation que le ministère de la Santé met en place, as long que nous pouvons faire ça, je crois, pour OK. Seulement, nous n'avons pas encore prononcé officiellement le savant si c'est ça. La Banque centrale, CBS et Commission anticorruption et CCS formalisent l'intention pour coopérer à travers un memorandum aujourd'hui. Ça fait bon matin, côté bâtiment la Banque centrale, par gouverneur la Banque centrale, Caroline Abel, et chef exécutif et CCS, mais De Silva. Et c'est l'accord, il permet CBS avec CCS pour en particulier donne l'assistance camarade, surtout ce qui concerne l'essence de l'information. Il expectait renforcer la coopération dans l'enquête dans 6 ans. Il faudrait noter que CBS avec CCS font partie de sa comité national qui est formé pour lutter contre le 6 ans et financement terrorisme NAC. Suivant Sianti Salakor, gouverneur de la Banque centrale, il dit qu'il ne faudrait pas en main pas faire non rien de la lutte contre la corruption et blanchissage l'argent. Mlle Abel a fait remarquer qu'il y a deuxième accord de coopération que la Banque centrale a signé avec bonne partenaire locale
En septembre l'année passée, le TCN avec l'autorité services financiers et FIU. De son côté, chef exécutif SCS, M. De Silva, indique que bon, l'institution financière CC n'est pas capable de continuer à travailler sans chacun pour lui et que sa coopération faudrait continuer. Ministre des Affaires étrangères et tourisme, Sylvestre Radegon, tisouen avec l'association Business Law Pralin récemment, pendant une rencontre qui s'est faite avec l'hôtel Île des Palmes. Pendant sa rencontre, bon membre, il a eu sens pour exprimer son conseil et gagner point de vue ministre. Quand sa rencontre, je suis cause de l'attraction touristique et un conseil principal qui s'est levé, c'est bon la compagnie qui vient faire business le Pralin. Et puis bien, ils sont principes, nous croyons un marché libre qui est stratégiquement implémenté avec calculation parce que nous avons seulement 10 000 habitants. Et ça, 10 000 habitants, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de soigner ses enfants. Donc nous n'avons pas dit ça, nous avons une grosse campagne qui entre au palais, faire tout business, on soit faire 10 sacs aux autres. Si une grosse campagne peut entrer au palais, puis elle peut entrer au palais pour mener le projet pour donner la vie pour aller. Deuxième quelque chose qui nous discute, qui est important, c'est notre situation, tenir compte COVID-19. Et nous soulignons beaucoup de points, nous mettons beaucoup de points devant lui et nous demandons pour apporter nos conseils pour le cabinet. Aussi présent pour sa rencontre, Timon électé l'Assemblée nationale pour le district Bessetane, Churchill Gill, et pour le district Gantans, Wevel Woodcock, qui t'y met deux bonnes points devant. Bah, vous connaissez une grande contribution qui s'est désignée en main. Et nous sentons qu'en retour, nous ne pouvons pas bénéficier à cause de notre business qui est capable de faire plus qu'ils ont pu faire aujourd'hui. Et ils ont fait plus de contributions encore. Les moyens de papier allow entry pour que les commissionnaires viennent pour avoir accès à la lance pour être capable de faire des bruits pour gagner trois clients. Comme si, par exemple, ils ont besoin, ils ont besoin de servir bateau, faire les toits, la lance qui coûte un petit peu de coopération. Je me sens que ça est un conseil qui vient de dire mon immédiat devant pour avoir accès avec la lance. Pour être capable de faire des bruits et gagner des clients. Ministre responsable pour le tourisme, il dit que sa rencontre permet de lui pour qu'on ait un défi que le business prend et fait face avec pour lui capable de faire une bonne solution. La visite avec Business Association, c'est une visite que je voulais faire depuis longtemps pour moi et les autres. Et pareil, je dis une visite qui est content de continuer à lire le regular basis. À cause de là, il y a un petit monde qui est dans tout secteur, activité économique. L'osile. Entendez qu'il y a une quantité de challenges, une quantité. Est-ce qu'il nous pourra résoudre là, en tout cas pas dans sa visite. Mais mon retourné avec mon notebook plein, avec bon, quelque chose qui nous besoin à le regarder. Certains sont capables d'adresser, certains pas. Mais ce qui est important, c'est que nous, dans ce dialogue, nous sommes capables de regarder ensemble. Parce que, ultimately, c'est nous tous ensemble qui pourrons trouver une solution. L'Assemblée nationale a une continuité discute et approuve budget pour Salonnais et l'Assemblée approuve un budget pour le département des affaires sociales. Et dans sa session, il y a beaucoup de questions. Le Home Carers, ministre Patricia Franco, met l'emphase sur les autres décisions pour donner formation aux Home Carers. Parmi les bonnes questions qui sont levées, il y a aussi des questions étrangères qui sont le GOP et qui peut faire l'ouvrage Home Carers. En 2020, nous avons 9256 personnes qui ont eu ce bénéfice. Sous les plus précis, ben le temps, madame, pour octobre 2020, nous avons 2003 personnes qui ont enregistré pour unemployment benefit. Lola, nous avons dépensé 6 543 la quantité de personnes. Dans le signal en novembre 2020, nous descendons à 1512 Zimon for unemployment et 5 million almost was spent. L'annual décembre, par contre, nous avons 861. Il commence à descendre là et nous dépensons 2,5. L'annual janvier, nous descendons là, nous arrivons 286. Ce n'est quelque chose qui nous bouge là. Et nous arrivons 841 000. L'annual février, nous avons 29. So, vraiment, il y a sa figure qui descend, il descend et nous dépense 93,000. Et là, nous avons une figure dernière pour mars, nous avons 78,000 rupees is spent. So, l'État nous get pour supplementary. So, these are Benjamin, qui, par exemple, le critère, they cannot make ends meet.
Alors, vous pouvez venir côté SP. Et bidze pour 2020 en totalité 55 millions. So, l'État nous guette pour 2020 18 000 dimoun. Le supplementary. Octobre 2580 dimoun. Sous les modèles nous again pour nous dépenser 5.3. Si nous gardons pour novembre 2449 dimoun. Et nous dépensons 5 millions. Décembre, il descend 2371. Janvier, il y a les 1678. Février, il y a les 1474. Et mars, nous avons 1294. So, what figures, il descend. Et ça, c'est le ministre Patricia Franco qui s'est posé un peu le bon demande qui en a côté l'agence de protection sociale pour bon bénéfice. Et plus tard après-midi aussi, l'Assemblée approuve bidze pour l'agence de protection sociale. Débat le plusieurs points, par exemple, bénéfice maternité, bénéfice pour les enfants qui ont dit ses parents, bandimoun qui ont gagné accident de travail et l'assistance pour la case. Donc, à 10 ans et bidze pour l'agence protection sociale, il arrive un valet à peu près 1,4 billion roupies pour bon programme qui tombe en bas sa l'agence. Nous continuons avec les autres nouvelles. L'agence l'embellissement avec gestion saleté LWM et le pralin. Il ne fait une campagne nettoyage aussi pendant le week-end. LWMA, il commence sa campagne depuis Zedi et il a allé jusqu'à hier en tout. Il ramasse à peu près 244 tonnes de saleté pendant 4 jours. En gros, la campagne de roule assez normal et nous sommes assez satisfaits avec Tena. En principe, à usual, nous ramassons nous gagnons Green Waste, nous gagnons Bulky Waste, après nous gagnons Scrap Metal. L'année passée, après Clean Up the World en septembre, nous avons fait un pre-Christmas clean-up. Nous avons encouragé les gens pour venir amener toute saleté au landfill. Pareil, ou voir dernièrement la sans faire. C'est que le gouvernement nous pas encouragé les gens pour mettre saleté au bobin, mais ils viennent amener tout même au landfill. Normalement, nous n'avons pas de tipping fees, avait dit « e-free ». Zis ban commercial, je suppose, je continue à payer par la visite. Un guitare, il a présenté avec Joe Sparon pour par trois membres de l'Assemblée nationale. Ça a été à l'occasion son 65e anniversaire qui a fait passer pendant une petite cérémonie côté prison montagne posée. Ça trois membres de l'Assemblée nationale, tisouen avec l'équipe prison pour donner Joe sa guitare aussi bien qu'un poignet pour son anniversaire. Mais tu nous vois ça poste sur Facebook. Nous comme un nouveau membre de l'Assemblée. Moi, on aura Saminade, on aura Bazialo et on aura Boumé. Et que les autres, nous vraiment tous par sa par son histoire, lui-même lui monsieur Esparon et nous dit why not? On nous fait son revenir vraiment quoi une history of la musique, de son background. Ça nous dit on nous take up l'initiative, on nous aller devant. À cause après tout même si ces bonnes inmates, ces bonnes human beings, ils étaient capables aujourd'hui de mettre capable le démon et nous pousser loin lui, in the same même de même façon. Et assez normal, il bien, assez bon aussi seulement un sac à dos là, parce qu'il y a plutôt beaucoup, sac à dos pour moi qui nous gars sans dire coco zende ende explique un des mots. Ça qui est cadeau normal pour moi. À cause de mon père, il est en bonne lampe, quand tes autres pas contre moi, pendant que mon envoi, moi, bonne question sur moi. L'autorité prison dit que dans une population qui peut vieillir, que prison, ça y fait que bonne prisonnier qui dans prison montant imposé, il besoin plus l'attention. Joe Spaoni est prisonnier âgé 65 ans. Il fait les 38 ans depuis qu'il est en prison, quand il m'y connaît comme Joe Cocker. Sa nom, simplement à cause de son amour pour la musique. Ben tel prisonnier, il demande plus soin et l'attention que les autres. Même si ben prisonnier plus âgé tente pour pas servir d'autres,
zout an aban les autres problèmes la santé. Et du monde qui pliaze, bien si, pour une situation médicale, puis sans, sans la santé, puis sans eux, il n'est pas capable de monter payer, il n'est pas capable de faire ici, il n'est pas capable de faire là-bas. So, nous avons besoin de cater pour ça, quelque chose. Pas tout rasé, il y a un problème médical. Mais bien si, eyesight starts to go, peut-être des problèmes liquaires, diabète, et bien si, il y a l'aspect psychologique as well. Dans prison, il y a en ce moment un an un peu plus qu'une douzaine prisonniers âgés par la haute 55 ans. Et Joe qui ne passe plus que la moitié de son vie dans prison, il est très connu parmi bon prisonniers et travailleurs en prison. Bon travailleur probation et sociale côté prison, il travaille avec lui des pros. Zot compte tout son caprice et l'habitude. Zot dit qu'il demande beaucoup pour manier bon cas similaire. Il demande une quantité de patience, persévérance, tolérance. À cause de temps, il était devant Paris, Joe, qui a 38 ans de prison. Son condition est un peu différent, mais c'est pas pareil de nos côtés, le côté welfare. Nous sommes nous mieux pour prendre un cas avec lui, par exemple, nous responsables pour nous collecter son pension et nous assurer qu'il y en a tout son quelque chose. Par exemple, il y en a son cigarette à cause. Cigarette pour lui importe, pour lui, il n'a pas été un peu pour hésiter. Nous faisons aussi il y en a son juice, son bon quelque chose pour lui servir pour son hygiène personnelle. Mais nous aussi, ensemble avec lui, nous sommes. Faire les gardes sa contact avec la société. At the end of the day, sa prison y est humain, y est dans sa dignité humaine qu'on a besoin de respecter. Pour aucun prisonnier réintégré dans la société, il est difficile. Mais ça devient plus difficile le temps que sa prisonnier est plus âgé et aussi s'il fait beaucoup de temps dans la prison. Pour demain matin, ouvrir sa barre du coco, ou un freeman aller. Il n'est pas pour facile pour lui réintégrer. À cause par mon petit jour, les temps noirs, bonne visite avec lui. Les naïfs dans moitié journée, il fatigué, du coup il retourne dans son prison. Pour moi, ce n'est pas pour passer. Il a un plan pour nous donner low risk facility. Et la plupart nous ben dimonazé, low risk. So grand probabilité, ils ont pour gagner de sa facilité low risk. Qui pas pour, il peut dans installer dormitoire, il peut plus relaxing. So ça est plan pour ben dimon low risk. L'autorité prison, il aussi dit qu'ils ont une communication continue avec les autres autorités, telles que le service social, pour faire que les prisonniers qui gagnent la guerre, si tout ça qui a été, y intégré dans la société. Président Wevol Ramkalawan a envoyé un message de condoléances pour Pepe, président Malgas, André Rajoel, suivant la mort ancien président Didier Ratsirak. Président Ratsirak est mort dimanche, le 28 mars, à l'âge 84 ans. Et dans son message, président Ramkalawan dit qu'ici c'est celle, président Ratsirak, qui a gagné à Mazine comme un dimon important dans l'histoire moderne de l'océan Indien et un bon dirigeant anticolonial dévoué et patriote qui a dédié son vie pour préserver bon intérêt et dignité son peuple. En 2018, Joël Mélanie, tu commences son projet Run for a Good Cause. Son plus grand la cause pour bonne cause charitable pour Salonais et la cause qui pour en trois parcours, Maé, Pralin et aussi Lola Digg. Mois passé, il t'y fait la cause charitable pour l'association Autisme Cécile et Samoan, il participe dans la cause virtuelle internationale pour première fois. Run for a Good Cause tient posé 3 ans pour Joël Mélanie et petit à petit, il peut réaliser. Le 20 février Salonnais, il fait la cause pour amasser l'argent pour l'association Autisme Cécile. Et entre les 16 et 22 mars, il participe des compétitions virtuelles internationales pour première fois, côte il couvre 70 km dans 7 jours. Sa compétition s'appelle World Water Run et il voit participation 134 pays. Nous rappelle qu'en 2020, Joël Mélanie, qui a 61 ans, n'est pas capable vraiment faire aucun la course à cause d'un blessé. Mais en 2021, sa zone, qui en a un bi envers une cause charitable, il sortit plus fort pour compléter son posé qui dans son dernier année. Si on a fait un 16 pour Vallon, pour Vallon Carana, on fait dernier plus grand 16 km, on fait pour Vallon Carana. Après, la plupart, on fait l'offre étoile pour. Dans la ville même pour une persévérance à sa dignité à tout le monde. On fait un seul jour ou bien différents bouts? Tu en as 16 jours, tu as fait
En effet, moi, j'ai envie de faire 42. Moi. De l'état, j'ai fini de faire 42. Moi, j'ai resté encore 2 jours. J'ai dit, why not? J'ai dit encore 28. Et là, j'ai fait un essai de sortir pour Valon pour venir dans cette toile. Non, sortir pour Valon pour venir dans Calouana. Et après, j'ai fait un autre sortir dans cette toile pour venir persévérer en tant que bien. De qui m'a été à sa compétition? Comme si on fait pas un rôle là-dedans. Est-ce qu'on gagne quelque chose pour rien? Comment? Non, ça, c'est ouvert pour tout le monde du monde. À ça que mon cas, il y a 74 pays qui participent là-dedans. Et c'est seul, mon cas, il y a un bon team. Il y en a qui font 100 km. Il y en a qui font 100 km. Et même un madame parmi qui fait 100 km. Son plus grand la course dans son projet charitable pour Salonnais. Et Joël Mélanie envisage couvrir 21 km le sac Zil et ça a un parcours et pour faire lui pour 4 associations ensemble pour première fois qu'il fait comme ça. Unique Foundation qui travaille avec Bonnes Enfants l'école le Pralin, l'association Bonne Dimoun avec des habiletés, l'association Bonne Blind and Visual Impaired et Seychelles Stroke Foundation. Mon dernier salonnais. Mon dernier salonnais. Mais mon besoin dit le temps de commencer à poser, moi tiens dans l'objectif pour ma 500 000 euros. 500 000 euros, puis moi donne une bonne association. Mais jusqu'à aujourd'hui, mon cas a dit mon amassement 436 000 et pour moi, ton 500 000, il reste encore un petit peu. Mais ça veut dire que j'ai décidé pour faire pour 4 associations et en même temps, j'ai décidé pour faire la digue pour Alain et faire la course mariale, finir la soirée. Mon cas a un bon dieu mon soirée, il est content. Et mon premier pari, mon pédi, il peut faire le 24 avril, mon père la digue. Le 26 mai, mon pétoun. Le 26 mai, mon pétoun parle. Après le 29 août, la soirée. Pour le moment, Joël Mélanie est très ambitieux pour compléter son projet 3 ans. Un bon geste charitable pour la communauté cécelois en servant son propre effort pour gagner sponsor. Pourquoi l'évangile du mal? Quelle est ta religion? Où sont tes filles? Nous revoyons bon grand titre avant quitter. Ministre de l'Éducation, Justin Valentin, il participe dans une rencontre virtuelle UNESCO qui fait pour un pays capable de partager l'expérience dans le domaine de l'éducation face à COVID-19. La Banque centrale et la Commission anticorruption formalisent l'intention pour coopérer à travers un memorandum. Ministre des Affaires étrangères et tourisme, ils ont avec l'association Business Le Pralin pour qu'on puisse conseiller qui bon business le Sazil y rencontrer. Merci pour suivre le bulletin.